l'ange numéro 32, Vasarya. Il régit du 29 août au 2 septembre. Il est l'ange de la clémence et nous permet d'intégrer la tolérance dans notre façon de nous percevoir et de percevoir les autres. Il nous enseigne l'indulgence, la bienveillance, la bonté et l'amabilité, et nous donne la force de pardonner ceux qui nous ont trahis. Avec cet ange, nous pouvons développer les qualités suivantes. Clémence, capacité de pardonner, grande sagesse qui aide à réfléchir, planifier, trouver des solutions, résoudre des problèmes. Planificateur, penseur, stratège. Bonté, bienveillance, magnanimité. Modestie, amabilité. Compréhension du sens de l'épreuve. Aide à se libérer du sentiment de culpabilité. Noblesse, droiture, sens élevé de la justice. Pardon naturel. Juge, magistrat, avocat. Don oratoire. Écoute profonde qui permet la compassion, l'empathie. Confère l'accès à la mémoire cosmique. Connaissance du bien et du mal. Mentalité généreuse. Nous pouvons rectifier les distorsions humaines suivantes. Manque de clémence. Difficulté à pardonner. Sagesse. Déficiente. Manque de bonté. Difficulté ou incapacité à planifier. Réfléchir, trouver des solutions, résoudre des problèmes. Vengeance, injuste, ignoble, rancunier. Culpabilité, accusation, condamnation. Fuite face aux responsabilités. Difficulté à discerner le bien du mal. Résiste à évoluer. Nourrit des intentions nuisibles aux autres. Puritain. Moraliste. Influence néfaste. Maladie pouvant s'aggraver. Focalise sur les mauvais souvenirs. Présomptueux, impoli, mal élevé. Orgueil. Orgueilleux, matérialiste. Nous pouvons l'invoquer dans les situations suivantes. Accusation. Culpabilité
sentiment de culpabilité. Élocution, problème d'élocution. Honnêteté. Juge, magistrat. Juré, jury. Justice. Litige. Loi, respect des. Magnanimité. Mémoire. Mémoire, les défaillances de la. Modestie. Oubli, oublier. Douce pensée angélique.